Bonsoir les amis, donc bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet ce mardi 15 novembre. Donc avant je vais faire une petit message. Je viens de faire la vidéo des jeux de grattage pour le challenge des 20 000 abonnés et des 6 millions de vues. Alors je remercie un des abonnés, parce qu'au moins ça prouve que ça suit, hein, mieux que moi, si j'ai failli jeter le ticket. Et en effet, le ticket, il y avait un numéro que je n'avais pas fait gaffe, qui était gagnant, le 45. En tout cas, bien vu, c'est que vous suivez les vidéos. Donc, pour ceux qui ont trouvé donc le truc, je vous offrirai au mois de décembre 10 jours de petits tableaux magiques. Donc, vous m'enverrez votre mail. Et je vous enverrai ça. Donc bravo à vous, tous les deux. Hein, deux personnes qui ont trouvé que le 45 était gagnant. Donc il y avait 10 euros. Donc ce qui fait dans la cagnotte 115 euros. Hein, donc ça fait quoi, 115 euros de gain. Donc à peu près 58 euros dans la cagnotte. Alors bien vu, donc les deux personnes qui avaient trouvé le 45, vous m'envoyez un petit message sous la vidéo avec votre mail. Et au mois de décembre, je vous ferai 10 jours gratuits du petit tableau magique. Voilà, donc aujourd'hui, ce lundi 14 novembre, il y avait un quintet à Bordeaux, réunion 1, course 4, 13h50, 13 partants, 2650 mètres. Alors l'arrivée était 7-2, 13-10, 3. Le seul truc de bien, c'est que je vous donnais le quintet dans les 5 chevaux, en 5 chevaux. Alors, pas dans l'ordre, mais il y a le quintet dans les 5 chevaux. Donc, si vous, comme je dis toujours, vous le mettez à votre sauce, eh bien, peut-être vous l'avez eu dans l'ordre. Bon, il ne fait pas grand-chose non plus. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment des toutes petites cacahuètes. Hein, mais plus que des cacahuètes. Hein. Là, c'est des graines d'oiseaux, on va dire. Dans les jeux proposés, pareil. Mais là, je vous l'avais dit avant. Je vous avais dit, mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Il y avait aussi le quintet dans le désordre. Alors demain, ça va être une autre paire de manches. Hein, parce que demain, mardi 15 novembre, on ira à Chantilly, réunion 1, course 5, 13h50, 1800 mètres, 16 partants du plat. Alors je peux vous dire, j'ai étudié ça. J'en ai eu mal à la tête. Ça a chauffé. J'ai passé quand même 2h30. Alors ça ne va pas être évident de toucher le quintet. J'ai quand même trouvé pour moi des chevaux, quand même des bases, qui me semblent pour moi des bases. Alors comme je n'ai pas regardé les autres journaux ni les autres pronostics au moment où je vous fais la vidéo, je ne sais pas si ça va être des favoris ou des tocards. On verra bien. En tout cas, demain, je privilégie comme jeu le multi en 7, je vous ferai la vidéo, ou le 2 sur 4. Là, c'est le mieux, parce que je pense que demain, ça risque de payer. Alors, sinon, je vous ai quand même fait une sélection. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, la voici. Alors, ma sélection sera le 5, le 10, le 14, le 7, le 15, le 12, le 16 et le 3. Et mon regret, et en cas de non partant, le 1. Alors, glissez-le quelque part dans vos champs réduits. Si vous jouez en champ réduit, alors je vous répète, 5, 10, 14, 7, 15, 12, 16 et 3. Et en cas de non partant, le 1. Mes 5 chevaux préférés seront le 5, le 10, le 14, le 7 et le 15. Donc, ces 5 chevaux-là, déjà, jouez-les en 2 sur 4. Un flexi 50, 15 euros. Privilégiez ça. Sinon, vous pouvez les prendre en simple gagnant placé, comme d'habitude, ou en couplet gagnant placé. Pareil, ça fait 15 euros. Donc ça, ça sera mes 5 chevaux préférés. Donc 5, 10, 14, 7, 15. Mes 4 chevaux pour la vidéo de moi et de Julien. Ça sera 5, 10, 14 et 15. 5, 10, 14, 15. Donc vous verrez ce qu'a mis Julien. S'il y en a en commun, vous les mettez de côté, comme d'habitude. Le reste de la sélection, pareil. Les regrets, pareil. Et suivant le nombre, vous faites des multis, des 2 sur 4 surtout. Hein, si on en a en commun,
vous faites un mix de ça, et à mon avis, il y aura un 2 sur 4 gagnant. Pour les, donc, les pénalties des chevaux donnés, mes deux préférés, hein, je pense qu'ils vont être donnés, c'est le 5 et le 14. Ces deux-là, franchement, je serais très, très, très déçu hein, de ne pas les voir dans le quintet, hein, au moins un des deux, mais les deux, c'est les deux que je préfère vraiment, malgré que c'est du plat et que ça va être courte distance et chaud, mais ces deux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et Penalty Outsider, ben je vous en ai mis 3, je pense, dans mes 5 chevaux préférés, le 10, le 7 et le 15. Je pense qu'ils auront une belle cote. Et je vous ai rajouté le 16 en Penalty Outsider. Donc 10, 14, 7, 10, 10 pardon, 7, 15, 16. Faites-y très attention, vous pouvez mettre une petite pièce placée. Alors je pense qu'ils auront une belle cote. Alors, je vous répète à ma sélection, 5, 10, 14, 7, 15, 12, 16 et 3. Et en cas de non partant, l'As. Voilà les amis, ben, j'espère que demain, ben, si on touche un quintet, ben, je pense que oui, de toute façon, si on le touche, ce sera beaucoup plus qu'aujourd'hui. En tout cas, ben, au moins, ça a été fait aujourd'hui, le boulot, le quintet en 5 chevaux. J'espère que vous avez réussi à le mettre au moins dans l'ordre. Pour toucher quelque chose de à peu près raisonnable. Sinon, ben moi je vous dis à demain. N'oubliez pas les deux personnes qui m'ont envoyé un message, qui ont vu que le ticket, il y avait un numéro gagnant, le 45, qui rapportait 10 euros quand même, ben que je ferai voir hein, demain dans la vidéo de demain, ben qui m'ont envoyé leur mail, et vous aurez donc 10 jours gratuits du petit journal au mois de décembre. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, plein de belles choses. Et je vous dis à demain. Ciao les amis.